Bonjour, bienvenue, on est reparti. Nous sommes repartis. Bon, faut qu'il devienne gras celui-là aussi. Hein. On est reparti, on cherche la prison. On cherche la prison, on a des gens à tuer. Oh, c'est quoi ça? Tour de Brumant, lieu défendu. Ok. Alors, le commandant Host a besoin d'entrer au territoire ennemi sans être connu. on va continuer à faire le tour des lieux, en fait. J'ai pas trop envie de commencer les lieux, là, aller directement dans les châteaux et tout ça. C'est quoi, ça? Attendez. Ah, t'es sérieux? Sans déconner. Vous vous rappelez ce que j'ai fait la dernière fois? Vous? Voilà. Alors. Niveau 5. Ça marche. J'ai vu qu'il y avait un panneau. Faut qu'on aille le voir. Faut qu'on aille voir le panneau. Faudrait que ça nous dise prison, machin. Oula, qu'est-ce que c'était que ça? Alors, 3. 3. 3. Ça marche. Marius le vert. Ah, c'est du poison critique. Poison critique. Hein, les archers, ils ont rien de spécial. Mais c'est toujours du poison critique, quoi. Ok. Kerik. On peut mettre les animaux ici. Tira ici, Aegram, Tort, attends, sanglier, Lucie. On n'a qu'un seul sanglier. On n'a qu'un seul sanglier. Lucimia. Là on a quoi? Lucimia ici. Est-ce que ça va faire mal? Manet ici. Will aussi. Toi, tu peux te toucher là, en fait, si tu veux. J'ai envie de dire le cheval. Là, il faut du DPS ici. Il est où, Kerik? Kerik, il est là. Ok, bon, il y a déjà lui à bloquer. Et après, on va avoir le chef. Ok. Alors là,
On veut... On peut mettre l'ours honnêtement. Alors braconnier c'est Taurus. Taurus. On va se mettre là. Très bien. On a qui? On a lui, c'est super. On a le maraudeur qui est un peu chiant. Le maraudeur va être un peu un problème. Si on reste à plusieurs côte à côte, donc... Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même, j'ai envie de dire. Ça marche bien les critiques. De toute façon, lui... Ah si si si, je peux l'attraper avec avec le cheval en fait. Voilà, comme ça. Parce que ça c'est une attaque de zone ou pas? Oui, c'est une attaque de zone, mais du coup il sera bloqué. Très bien. Très bien. Très très bien. Est-ce que je peux... Yes. Ah, j'ai pas affaiblissement. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'il avait une... On avait galvanisation déjà. Mais non. Du coup, il n'y a pas affaiblissement. Donc voilà, du coup, on prend des dégâts. Et... Ouais. Sympa. Toi, tu peux... Je sais pas si Menel le tue, je crois pas. Non, le tue pas. Presque.
On a eu 2 points grâce à Méné. Je crois qu'elle a eu Glorieux et son... Et le fait de récupérer des points à chaque fois qu'elle se met à côté d'un allié. Pas mal. Tiens, on peut le assommer. On va pas commencer à prendre. On a déjà trop de gens. On a déjà grave trop de gens. Putain, on dirait que le tour il est interminable quoi. Toi, tu vas devoir jouer le maraudeur. Le maraudeur me fait chier. Feu. Ouf. Pas mal. Ah, c'est un critique dans le dos hein, d'un assassin, donc c'est normal que ça fasse très mal. Hein. Voilà, c'est bon. Oh, il a eu rage. Pourquoi il a gagné rage? Pourquoi il a gagné rage, le rat? Tu vois. Ça prend un certain nombre de tours. Je crois qu'ils avaient aussi récupéré rage les autres, mais je me rappelle pas pourquoi. Bon, si on mettait fin au combat là. Il reste quand même 3 mecs. 1, 2. Quoi? 3? Je sais pas compter. Ah, 2 là, ok. Ça marche.
Faudrait éviter d'utiliser des points. Mais je sens que ça va être obligé. Nickel. Ok, maintenant on peut faire ça. C'est ouf. Je crois que j'ai personne à côté. Oh, personne à côté de... On va passer le tour. Ouais, j'avoue que là... Après, j'aurais peut-être pu buffer le rat ou un truc comme ça, ou le loup. Avec le poney là, pour qu'il court plus vite, pour qu'il aille plus loin. Oh, j'ai mal aux yeux. Désolé, c'est l'heure des gouttes. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Plein d'argent. Tir vicieux. Dex plus 9 hein, quand même. C'est quand même un arc en fait de niveau 5, hein. C'est pas de la merde. Même s'il est gris, c'est pas de la merde. On a hors la loi niveau 5. La tunique de hors la loi niveau 5. La tunique de hors la loi niveau 5. Peut-être mieux. Crit 3. Crit 2. 20. Portée et mouvement. Il y a la portée qu'on perd. Mais elle gagne de l'armure et du crit. Toi, t'es stratège. Pourquoi ils ont tous un bordel là sur le dos? Ils ont un sac. Bah, c'est bien, mais... Enfin non, c'est bien en fait. Ok. On va voir l'arc un peu. L'arc c'est quoi? C'est 8 dégâts et si je mets celui-là, je passe à 10 à 18. Ah, j'avoue, l'arc incendiaire, c'est sympa, hein, mais... Ah non, honnêtement, sinon, si, c'est sympa. Si, si, c'est sympa, quand même. Alors, je vais voir les armures. Que là, ça a l'air quand même d'être... d'être assez violent... Ah, j'avais dit, maintenant on est passé à deux. On aurait pu en utiliser qu'un seul. Ok, on a tué les mecs. Camp misérable. On a encore un groupe de bandits apparemment. Ah, on pourrait se les faire aussi. Alors, bonjour. On a fui vers le sud dès qu'on l'a vu. Le cheval noir, il était là, juste devant la porte de notre pêcherie. Si vous voulez rester en vie, évitez les abords du fleuve. N'approchez pas de la pêcherie. D'accord. Il y a l'air d'avoir des trucs un peu étranges ici.
Mais alors, celui qui monte sur le dos du cheval noir, la bête l'emporte dans la nuit et personne ne le revoit plus jamais. Tant pis pour les soudards et les brigands qui traînent ici, je préfère encore mourir de main humaine qu'enlevé par un démon. Prix de la vente des marchandises augmente de 10%. Ah, c'est marrant ça. Alors, quand ma soeur était en mer, je travaillais la laine. Mais avec ce cheval, j'ai trop peur pour aller chercher mon métier à tisser. Tout ce que j'ai pu emporter avec moi. D'accord, ça marche. Et un brigand. Parlementez, usez votre nom et votre influence pour convaincre ce groupe de vous laisser partir. Ok, on peut faire ça aussi. Je savais pas. Je ne savais point. Bon, on est reparti. Hein. Combat, combat. Vous êtes dans un endroit de merde là-bas. Laissez mon sanglier tranquille. Merci. Donc il y en a 3 là. 3 ici. Les 3 là, on peut les tanker aux animaux là. Faire un groupe. Avec avec 8, pas mal comme ça. Ces 3 là, on va se les faire. Kirik, on est bien là. Ils ont pas un setup de merde, mais ça va, on se débrouille. Alors, c'est qui va jouer en premier? C'est toi, c'est très bien. Nickel. Oh, parfait. Parfait, 2 points. À mal finir, tu touches l'ours, tu sais très bien que ça va mal finir. J'avais dit qu'on mettait les 2 tanks ici. J'ai un peu loupé mon coche là.
coup, j'ai fragilisé le truc. T'inquiète, on va te sauver, canasson. C'est pas un cheval, c'est pas grave. Voilà. Ils font quoi eux déjà? Avec leur... Ah oui, c'est cri de poison. Unity. Unité. Ah. Plus d'unité. On va essayer de s'en charger le plus rapidement possible. De... Alors, hop. Adieu. Ça va, on les massacre, hein. Le rat a toujours un petit peu peur à chaque fois de le bouger, juste au cas où. Il fait partie de l'équipe maintenant. Yeah, bien joué. Honnêtement, nickel. Vous êtes très très bon les mecs. Très très bon. Sans déconner, 16. Alors, là on a les deux, toi t'es buffé. Bam! Ah, tête! Quel? Ce serait bien qu'on puisse enchaîner les attaques. Genre, cliquer et que ça se fasse automatiquement quand on a plusieurs habilités. Alors là, on a ça.
Je pourrais envoyer le rat, mais... J'ai un peu peur que... Ça se termine mal. Touche pas mon rat, hein. Maintenant, le rat, il y va. Miam, 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 miam. C'est énorme. J'adore ce truc. Bon, il y a trois personnes. Non, deux personnes. Et... On va envoyer des gens. Bon, on va zapper tout le reste. Très bien qu'on puisse dire de finir le tour. J'en ai déjà parlé, mais ça serait une bonne option. Pour des situations comme ça. Je pense que ça marcherait bien. Ça justifierait en fait le fait de... De zapper en fait. Animations comme ça chaque fois. On récupère pas mal d'argent en fait sur eux, hein. Honnêtement. On a encore une tunique. Tunique d'ailleurs la loi niveau 3, mais elle est en bleu. Je crois que les tuniques, tout ça, on n'a plus besoin. Je crois qu'on est tout bon. Ah non, torte. Ouais, il gagne plus 5 en armure. Ouais. 23. Ah non, il faut continuer à regarder, hein, juste au cas où, on sait jamais. Donc ça, on peut jeter, ça, on peut jeter. L'arc... L'arc, je sais pas. Encore une fois. Alors, fais voir. Dis-moi qui a écrit prison. Alors, Stromcap. D'entraînement. Stromcap au nord. Comment ça, au nord? Le cheval noir. On a de l'argent, on a des vivres. Allez, on continue. Par contre, on va pas les attaquer du coup. Camp de tracker. Yes. Chaque fois qu'on trouve un lieu comme ça, on a du fromage avec, avec notre petit rat. Même au plus fort de la guerre, les trackers ne peuvent abandonner leur chasse. Vous allez vous joindre à la traque, vous êtes libre de le faire, mais je vous préviens, ici nous chassons la meute fantôme. Elle n'a rien en commun avec les gibiers ordinaires. C'est bon, ça passe qu'aux heures les plus sombres de la nuit pour tout ravaler sur leur passage. C'est un combat harassant auquel ont succombé nombre d'excellents trackers. On en a déjà tué. Vous êtes toujours déterminé de lancer la traque, je peux vous donner cette carte. Ça marche. Euh,
Alors, c'est moi qui ai l'honneur d'orner le visage tracker lorsqu'il pourfait la mode fantôme. Pour des peintures de guerre, il faut avoir été initié par un druide au cœur de la carte. Oui, il faut avoir... Putain. Alors. On en a combien des... Ouais, 146, ça va. Alors, la cuisine réconfort paysan. Du ragoût de porc. Porridge, vin. Ok. Ça c'est. On doit d'abord faire du ragoût, puis après on... d'autres choses en fait, mélanger. Oh la vache, ça c'est beaucoup. Renfort du guerrier. Dégâts chez les animaux augmentés de 20%. On apprend comment préparer l'huile d'essence. D'essence animale. Je crois que les huiles en fait fonctionnent comme des buffs. À la limite, je pense que c'est. Ouais, un peu comme à la Witcher. Vous savez, Witcher, il faut toujours des huiles sur ses épées là. Pas mal, pas mal ça. En plus, on a des globes oculaires rouges et tout. On a 8. On a des crocs parfaits. L'essence de vierge, on n'en a pas. Un étendoir à peau. On a ça, non? Un étendoir à peau. C'est quoi qu'on a fait, nous? Nous, on a un séchoir à viande. Ah, c'est pas pareil! Ah, ok. On va pas le faire, hein, mais c'est tentant. Renfort du barde. Forgeron. Non, renfort du barde. Intéressant. Bon, il faut qu'on récupère des... Qu'on récupère encore plus de crocs. Soldat versé. Non, on a fait le tour, quoi. Peut-être ce chemin-là. Est-ce qu'on peut camper? On va devoir camper. Genre vers eux. N'inquiétez pas, on campe devant chez vous, ne nous attaquez pas. Ça va. Bon, moi ça commence à m'énerver à nourrir des idiots là. Ça va faire un peu trop longtemps qu'on se les trimballe. Waouh. Ça commence à être de moins en moins rentable en fait, c'est ça le problème. Nickel, 50. Ça commence à être de moins en moins rentable en fait, c'est que leur connerie là. Alors sanglier est devenu gras. Alors ce n'est pas normal, je tue autant d'ennemis, les autres ne prennent pas leur part, il faut que je puisse compter sur eux moi aussi. Alors se vanter, on est déjà à 10. Se rassurer sur ses propres compétences grâce à ce haut fait. Se réjouir. Allez, let's go. Château du comte. Ah oui, mais là c'était le pont, on pouvait pas y accéder. C'est le phare. Peut-être là, hein.
Alors, on va aller voir ça. Alors. Non, on a une forge apparemment ici. Quand j'ai besoin d'un nouveau forgeron, il fait des semaines que j'ai pas vu ma famille. Okay. On a des petites réparations à faire, est-ce que ça vaut le coup? Non. Oh, ah oui, c'est vrai qu'on a les armures maintenant. Donc on a les armures lourdes. Brigandine renforcée. Et le Jacques rembourré. C'est vrai que c'est pas vraiment utile en fait là d'avoir fait ça. J'aurais dû prendre bouclier à la place. Honnêtement. J'aurais dû complètement prendre bouclier parce qu'au final, les gens ils ont des bonnes armures. Enfin, je crois. Il y a qui peut prendre des armes? Taurus? Non. On a Will peut-être, armure lourde? Kiri? Non. Qui peut porter des armures lourdes? Taurus, non. Il y a Lucie, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ah si. Si, 8. Donc ah oui, on peut créer une crafter une armure lourde pour lui. Ça marche. Forger, ouais, let's go. Yes, nickel. Alors, 8 avec l'armure lourde. Je vais voir, toi t'as quoi? T'as 20, 12, critique 2. Ah, c'est pas mal, hein. Voilà. Ah, là, il va être quand même vachement résistant, hein. Est-ce qu'on a des petits machins à rajouter là? On en a un. On peut en faire un. Ça, je crois pas qu'il faut du cuir. Ah, si, il faut du cuir. Ici. On en fait. On fait ça. Du cuir blanc. Cuir blanc, c'est un peu relou à récupérer, mais. Parce que vu que là, c'est une armure niveau 3, ni parfaite. En profiter. Voilà, nickel. Nickel, nickel, nickel. Alors, est-ce que cette armée, on la vend ou pas? Donc, c'est intermédiaire. Intermédiaire. Donc, oui, il est en lourd. Kirik, il a 36, 14. Ouais, non. 23, 13, ouais, non, celle-là, elle est trop bien. Toi, tu veux prendre que du léger. Toi aussi.
Alors, Taurus, 31, 14, 5. Manon, Torte. Critique 2. Là, en fait, on gagne de la garde. Ouais, la garde, c'est bien parce que... Réduit les dégâts des attaques subies tant que cette unité a de l'armure. Ouais. Ouais. Il faut de la garde en fait pour les gens en armure. Enfin pour les tanks surtout, j'ai envie de dire. Ok. Je gère armure 23, critique 2. Bah, du coup, en fait, les gens peuvent porter n'importe quel type d'armure, ou alors c'est parce que c'est une. Elle fait partie de la fraternité, elle, du coup, elle peut transporter n'importe quelle armure. Je sais pas. Mais bah, je comprends pas. Les gens se plaignaient. Les gens disaient que les affranchis, là, ils pouvaient pas mettre n'importe quelle armure. Moi, pour le moment, de ce que je vois, ils peuvent tout mettre. Enfin, ils peuvent mettre du normal, du standard, du léger et de l'intermédiaire. Alors, quelle mission tu veux, toi? Nous aussi, on repérait d'étranges caravanes noires qui rôdent autour du château de Vernon. D'après eux, elles transporteraient de l'or, ce qui pourrait signifier que notre adversaire reçoit une aide de quelqu'un en dehors de la région. Arrêter ses caravanes pour avoir une chance de priver Vernalis de son financement. C'est là que vous intervenez. Vous allez m'accompagner à vos côtés. Je rassemblerai un simple mercenaire et nous traverserons le territoire ennemi. Vous accrochez alors ses caravanes noires pour tirer les affaires au clair. Acceptez-vous cette mission? Ouais. Une dernière chose. Il faut mieux que je ne combatte pas. Les soldats de Vernalis pourraient me reconnaître et donner l'alerte. Mais qu'on leur offre une belle récompense à qui vous ramènerez des hommes capables de se battre à nos côtés. Il y a dans la région des renégats et notre armée de celle de Verny, ce sont des soldats capables mais découragés. Si vous parvenez à rallier au moins deux groupes de notre cause, les autres suivront et la prime sera pour vous. Formidable, je vous indique les zones où ils sont susceptibles de se trouver. Mais dis-moi, on s'est encore fourré dans une quête sans fin. Vous avez entendu tous ces manants qui se plaignent de ma prétendue cruauté. Comment osent-ils vous détruire que je cède aux terres de ma famille parce que le traître de Bernice dit avoir des visions. Ah, mais c'est les gens qui nous ont attaqués. Si vous croyez que la guerre change quoi que ce soit à l'ambiance de ce château, vous vous trompez. Ok. Ah, c'est toujours la fête ici, je vois. Ah, c'est les gens qui nous ont attaqués au début, en fait. Donc, le capitaine Host. C'est un leader. Entraîné à tuer. Tant que cette unité n'est pas engagée, elle et ses alliés ont opportunité de chef. Ouh. Mais il a dit c'est mieux s'il combat pas. Donc je vois pas pourquoi. Hein? Je vais voir. Je vais fouiller ta forêt, mec, et après on va. Alors, trouver et attaquer une caravane noire, occupez-vous des déserteurs. Et là aussi, il y a des déserteurs. Cool. Sanglier niveau 5. Ça va.
Ça devrait aller. Bon, du coup, il est là ou pas, le mec, là? On a toujours Septel. Septel, elle est... on l'a pris. Et elle partira aux confins du monde avec nous, quoi. Ah, par contre, j'aurais dû recharger les armures, là. Ah, mais en fait, il combattra, je pense. Quand on sera... on doit être. Bon, par contre, ça va être chaud. Là, il nous faut une rangée pour bloquer ce coin, et après, nous, on va bloquer l'autre coin. Là, ça va, on peut mettre ça, le rat, non, bien sûr. Le caïgramme. Il nous faut la femme. Lucie. Enfin, quoique, honnêtement, non, le... l'ours et le cheval suffit largement, en fait. Menée, elle va... elle va soigner si besoin. L'ours, il va tanker comme un fou. Là, on va jongler, en fait. On va jongler et on va foutre le feu, je crois. Le feu est chaud, mais enfin sans jeu de mots, mais ça va nous aider. Commencer dans la boue est vraiment une catastrophe. Elle peut tanker. Piège. Ce serait sympa de pas se le prendre. Il risque de se bloquer et rester dans l'éclair. Là, on a un tank avec de la vie, là, on a un tank avec de l'armure. C'est marrant aussi, je trouve.
ça. Par contre, toi, il faut pas que tu bouges parce que... Défendre. Ça va déjà être assez la merde comme ça d'avoir foutu le feu. Donc j'ai pas envie d'en rajouter. Nickel. Hein. On peut toucher de là. On peut. Ah, il y a beaucoup de blocs là. Va falloir qu'on la recule elle, et qu'on laisse le cheval passer. C'est déjà ça. J'ai peur qu'on se retrouve dans... Enfin là on va rester, on risque d'être... C'est un beau... Il est résistant, donc ça va. Qui va arriver sur lui. Là, on va lui faire un petit coup. Très bien. On va commencer à propager le feu, j'imagine. Je pense qu'on va pouvoir tuer là. Ah merde. Je ne peux point.
Ah, le coup de la boue est vraiment galère, ça. Mais ça va, vu la façon du plan, là, tout ça. Les trucs qui se bloquent les uns les autres et tout. Enfin, s'il n'y a pas vraiment de problème, honnêtement. Très bien. Voilà, maintenant on fait du fun. Alors fais voir. J'ai un truc. Si je me mets comme ça, je touche tout le monde ou je touche tout le monde? Donc si je fais ça. Comme ça. Maintenant. Go. Yeah. Là, ils sont engagés. Nickel. C'était pas mal ce jeu là. Je suis content, ça se passe bien. J'aurais dû faire l'autre enchaînement, puis enfin voilà, je voulais économiser les points en fait. Au final, ça fait de la merde. Alors attends. C'est celui-là. Affaiblissement. On n'a pas soigné, mais c'est pas grave. Bien. J'adore se lancer le javelot. Je le trouve vraiment très cool. Alors, oui, les Kirik sont maintenant meilleurs amis. Oh. Sunday.
mec. Comment on peut la désengager? Je crois pas qu'on puisse en fait. J'aurais dû me booster avec le cheval. J'essaye de voir si je peux pas en capturer un en fait. Je sais pour le piège. Il reste qui à jouer, toi? À la limite, on peut lui foutre le feu et le saignement en plus. Il y a du même poison dessus. En théorie, ça va faire mal. D'accord. Apparemment, le feu s'en tape. Il y fugé, le truc. Bien. Alors là, on peut récupérer une lait niveau 5. La nôtre, elle est quoi? Elle est niveau 4. Là, on peut voir si on peut changer ou pas. Non, elle est niveau 5 aussi. Est-ce que ça vaut le coup? J'en sais rien du tout. Faut que ça soit quoi, niveau 8 ou 6? Je me rappelle plus à chaque fois. Je crois que c'est très haut. Toi t'as pas joué hein. Non, t'as pas joué. Donc hop, provoque.
soit... Hop. Voilà, prend quasiment rien comme dégâts. C'est très bien. Il en reste quoi, plus que deux, ça va. Qui peut finir? On peut le tuer le machin? Que elle, elle peut apporter normalement. Voilà. Eh bien. Braconnier. J'ai envie de capturer un animal augmenté de 50%, c'est ça? J'ai pas trop le temps de voir. Oh la vache. Alors. Ah, ça m'a coup de barre là. Trop de combats, de longs combats. Alors, sanglier d'élevage. Spécialisé. Sanglier de trait. Donc, je disais quoi moi? Pas que j'oublie. Ouais, c'est 8. Oui, oui, c'est 8. Ouais, donc on a le temps. Le truc qu'on avait pu... Quoi, c'était les loups, je sais plus. D'avoir des trucs dans les nouveaux. Je m'en rappelle plus. Pas grave. Bon, bah du coup, ça nous fait pas mal de... De barbac, surtout que celui-là, le sanglier niveau 6, là, il est devenu gras. Donc du coup, on va le changer. Enfin, on va le manger. Hein, et du coup, on va pouvoir garder les autres. Ah, c'est bien ça. En train de me demander, toi, on peut pas te mettre un truc de tank? Genre un accessoire de tank? Pas. Ouais, c'est pas mal. Par contre, l'armure et tout, il faut. Ouais. Ça va. Ah oui, il y a des gens blessés. Non, même pas. Non, à part les sangliers. Ah, c'est nickel. Oh, honnêtement, on est bien là. On est bien. Ça va. C'est quoi ça? Marvel.
Ça veut dire que l'autre a le pied des cadavres. Maintenant, on l'a prise avec nous et on l'a mis des super armures et tout. Elle doit être heureuse. Hein. On a eu du cuir. On a eu du cuir. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire avec le cuir? Ah, je sais ce qu'on voulait faire avec le cuir. Le tabouret de veille. Donc, compagnon assigné. Est-ce qu'on peut assigner des mecs qu'on a capturés? Tiens, capitaine. Ah, voilà. Nouveau sanglier. Tiens, on a qu'à le mettre comme ça. Hop. Et après. Comment je vais faire mon compte, moi? Pas mal comme ça. Ça va, notre camp est... Honnêtement, notre camp est cool. Hein. Encore une fois, c'est le coup des tentes, moi, qui me... Bon, ça étrange, mais... Mais notre camp est sympa. Vraiment, vraiment sympa. Est-ce qu'on peut faire plus de gardes? Ça m'étonnerait. Hein. Ouais. Ça va, c'est bon. Ils ont bien fait. Parce qu'après, on pourrait un peu trop en mettre et tout. Voilà, très bien. Et du coup, ça serait... Ouais, les boucliers, on les a pas appris. De lancer. Intéressant, ça aussi, on pourrait... On pourrait mettre des faucilles de lancer au lieu d'avoir un bouclier. Ça fait de la garde. Mais ça rajoute un objet de lancer. Enfin, ça rajoute une habilité, quoi, en gros. C'est comme avoir une torche ou quoi que ce soit. C'est... Ça... Ah, c'est intéressant. Eh ben merci. Yes. 312. Oh, putain, elle est sur le chemin en plus. Alors ça, si ça tue pas. Ah, j'avoue que ça tue. Alors, le marché. Ça en prend. Est-ce qu'on veut le miel? Oh, le miel. 45. Il y a les haricots à voler. 63. Nickel. Très bien. Content. Alors ici, il fallait des pots aussi. Hein. Mais je crois qu'on peut plus le faire. On n'a plus assez parce qu'on a fait... On a crafté l'autre chose.
ça va. On a 3 jours de nourriture et on a un sanglier qui est gras. Donc honnêtement, on est plus que mieux là. Bon, on peut trouver l'artefact caché dans la baie. On peut faire tout ça en fait. En ligne droite, j'imagine. 3 jours de viande, de la... est-ce qu'on a des choses à vendre avant de partir? Je crois pas. Attendez, il y a des marchands. Ah putain, j'ai encore attendu. Qu'est-ce qu'ils ont les marchands? Du lait, des rats, de la bière. Niveau 5. Faut voir. Oh putain, la garde. La garde, c'est pas fun. Abbaye de Saint-Éléor. J'imagine qu'il va y avoir une sorte de peut-être de mini-jeu encore. Par contre, je veux bien pêcher avant qu'on s'arrête pour la nuit. Je pense qu'on va s'arrêter là, ça va être un bon épisode aussi. Là, on fait vraiment de la bonne exploration et tout. Eh, yeah, fromage! Je me demande si notre petit rat il est heureux. Bah, il trouve plein de fromage, il doit être heureux. Bah, il était dans son truc sous terre là. Je me demande si ça vaut le coup d'en récupérer un autre. Je suis pas complètement sûr. L'endroit a l'air fun. L'endroit a l'air fun. On n'a aucun danger. Alors, que peut-on faire? Ragoût de porc. Maximum, c'est la bravoure. Nous, on voudrait ça. On commence à avoir du blé. Enfin, on commence à avoir du miel. Et on a trouvé du... Le blé, on le sait, plus ou moins. Et les pommes, après, c'est facile. Bon, après, c'est beaucoup. Hein. Ça, ce serait 30% la vitesse à fatigue des troupes s'accumulent. C'est vraiment bien, hein, moins 30% en fait. Donc c'est intéressant. Ça, il faudrait vraiment spammer. Genre tout pomme et blé, il faudra en faire tout le temps et tout. Oui, on en mange tout le temps en fait de ça. Genre à chaque repas quoi. Comme ça, ça nous permet d'aller plus loin, de manger moins de choses. C'est le top du top quoi. Maximum un point de bravoure, ouais, je dis ouais, mais je dis ouais, mais bon, deux sels déjà. Après, des haricots, c'est 4 de viande de nourriture, et après, 2 porcs, c'est 4, c'est 8 du coup. Donc, ça ferait un 12, et là, on gagne 14. Mais bon, faut savoir que le porc, on peut le préparer, et le porc, ça passe à 6. Donc on perd quand même 2 nourriture à chaque fois qu'on fait ça. Et puis 2 sels encore une fois. Enfin les 2 sels à la limite c'est ça vient au porc, mais ouais on perd 2 nourriture. Ouais, c'est pas énorme au final. Maintenant que j'y pense. Attends, je fais pas de conneries. Hein. L'haricot on peut juste les manger comme ça. Les porcs on peut les préparer.
Donc ça passe à 6. Donc ça ferait 12. Et là ça ferait 16 en tout. Et là on a 14 à la place. Ah, j'avoue que c'est pas mal parce que on a quand même les points de bravoure. Ah, les points de bravoure vont. On va les utiliser de plus en plus en fait. Donc au final. Plus c'est difficile et plus on va devoir les utiliser. On va d'abord balancer les carcasses, ça fait de la viande. Tout le monde qui est occupé, on est d'accord. Blanchir des haricots, c'est un peu con, non? J'en sais rien. Ouais, non, on pourrait les faire, les bassines. C'est juste que, ouais, on perd deux de nourriture à chaque fois. C'est pas trop grave. Alors, ça... Ouais, peut-être de la viande en plus. Je vais voir. Poste gras. Je sais pas pourquoi ça dit 30. Enfin, 3 jours, pardon. Qu'est-ce que je raconte? 3 jours, ouais, mais c'est avec ça en fait. Parce que là on est bas, on est quand même très bas. Après bon, bien sûr, j'ai plein de perches, mais les perches sont pas préparées rien. Donc je voudrais bien les garder de côté pour quand on pourra les préparer. Bon ben, tu vas y aller toi. Vingt-neuf de viande. Putain. On a un peu de carcasse. Désolé, je prends un peu de temps parce que... C'est vrai que c'est un peu compliqué là. Là c'est pas compliqué, mais des fois c'est un peu prise de tête. Oh, très bien. Là, avec ce qu'on mange, ça va passer. On va perdre le poids. Donc là je suis en train de me dire, est-ce qu'on utilise un ragoût? Alors deux ragoûts. Ou de la viande crue. Les mecs. Faut absolument qu'on va en aillant à la prison quoi. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on devrait pas aller d'abord à la prison de continuer avant de continuer nos missions? La prison elle est où?
pas aller loin aussi, quoi. J'ai envie d'aller regarder sur internet s'il y a une prison ici, quoi. Tellement que j'ai pas envie de faire le chemin. Le chemin en sens inverse. Parce que là, ça devient légèrement relou, en fait. Ouais, la prochaine fois, je crois qu'on va... On va aller à la prison plutôt. Alors, le prisonnier essaie de s'enfuir, mais c'est bon. On est bon. Ouais, je pense que la prochaine fois, on va peut-être aller à la prison, parce que là, ça devient un peu absurde. Ouais, ça devient quand même un peu absurde, là, je pense. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.